Bonjour, alors rigolons avec Jean-Luc Reichmann. Donc Jean-Luc Reichmann est actuellement en tournage à Marseille, hein, donc pour Léo Mattei. Donc comment vous expliquer Marseille? C'est plutôt dans le sud de la France, d'accord? Bon. Et là, donc son tournage, bon, on a vu une petite scène, moi je l'ai vu sur Twitter, vous pouvez la voir sur Facebook si vous y êtes, sûrement. Et on peut voir donc que bon, c'est une genre de petite fête au village. Sauf que quoi? Eh bien, sauf que comme je vous l'ai dit, ça se passe à Marseille. Eh bien, voilà, donc il a casé le groupe breton qui était passé aux 12 coups de midi, là, le fameux groupe des Chouchen, le Calfa, ou je sais plus comment ça s'appelle ce groupe, hein, c'est pas Calva, c'est plutôt Chouchen, le groupe. Et donc sur Internet, tout le monde gueule en disant oui, vous n'auriez pas pu trouver un groupe marseillais au lieu de prendre un groupe breton, etc. etc. Bon, voilà, bon, bah, ça m'a toujours fait rire, ce genre de truc. Et puis là, il y a une carte de France qui tourne. Et alors voilà, ça c'est la carte de France des bars. Et je vous jure que ce n'est pas une connerie, hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, en Bretagne, c'est blindé. Du côté de Marseille, c'est blindé. Dans le nord, les ch'tis, il n'y a pas tant que ça, hein. C'est-à-dire que, bon, à la frontière belge, il y en a beaucoup. En Haute-Marne, où il y a Stéphane, bah, il n'y en a pas trop non plus. Donc, voilà. Et puis, bon, il y en a un peu à Paris. Mais franchement, les Bretons, hein, faut se calmer sur la bibine. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.